triste image pour le football. Alors que leur équipe était menée 3-1 sur la pelouse de Quevilly-Rouen, les deux Auxerrois Pierre-Yves Paulomat et Michael Barreto en sont venus aux mains et ont été logiquement expulsés par l'arbitre, laissant leur équipe à 9. Une scène surréaliste qu'a condamné dans la soirée le club auxerrois, se disant dans un communiqué « meurtri et honteux après le comportement inadmissible » de ces deux joueurs, qui ont bafoué l'image d'une institution qui a fait de l'éducation et de la formation des priorités. Paulomat et Barreto vont être sanctionnés, ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire, a également prévenu le club iconais. 11e de Ligue 2, Auxerre a aussi présenté ses excuses aux supporters, aux parents, aux partenaires et à tous ceux qui s'investissent et qui aiment profondément le club. Ces agissements n'empêcheront pas la JA de poursuivre sa reconstruction avec tous ceux qui respectent le club, a conclu la JA, amère.